Salut à tous et bienvenue sur GeekOWorld. Dans ce nouveau Flash Info, on va revenir en quelques minutes sur une news qu'on attendait tous depuis des mois. Et je vous en avais déjà plus ou moins parlé il y a déjà quelques mois en arrière. Et il s'agit tout simplement de la sortie du film Demon Slayer en France. On a enfin les informations tant attendues qu'on attendait, donc notamment la date de sortie, et également le mode de distribution du film en France. Mais je vous balance toutes les informations à ce sujet juste après l'opening. Alors pour une fois, je vais essayer de ne pas étirer la vidéo plus que davantage. Et dans cette vidéo, je vais donc essayer d'aller droit au but, donc sortez vos agendas, sortez vos crayons ou vos téléphones. Le très attendu film Demon Slayer, Le Train de l'Infini, sortira au cinéma en France, donc dans les salles françaises, à partir du 19 mai 2021, soit en même temps que la réouverture des cinémas en France. Et là-dessus, j'ai envie de dire, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a tellement attendu une date de sortie pour Demon Slayer que ça paraît surréaliste maintenant qu'on en parle. En revanche, par contre, avec cette news, une des mauvaises nouvelles, c'est que le film ne va pas bénéficier d'une distribution nationale, c'est-à-dire une distribution sur tout le territoire, même dans les petites salles indépendantes, et ce tout simplement parce que le film sera visible un peu partout sur le territoire, donc en France, mais en exclusivité dans les cinémas CGR, ainsi que dans les cinémas affiliés justement au réseau et au groupe CGR Event. À l'heure où je vous parle, la liste des salles de cinéma qui diffuseront le film n'est pas encore disponible, mais le mieux à faire, et ce que je vous recommande à faire vraiment, c'est de consulter le site des cinémas CGR et CGR Event, je vous mettrai des liens en description, afin de ne pas louper les séances près de chez vous. Les cinémas CGR, il n'y en a pas partout sur le territoire, en revanche, les cinémas affiliés au CGR Event, il y en a beaucoup plus, donc vraiment, allez vous renseigner. Pour les autres qui ne seront donc pas concernés parce qu'ils n'auront pas une salle, on va dire, concernée près de chez eux, pas plus d'informations pour le moment. Mais en revanche, je pense qu'il est fort possible que le film soit distribué dans d'autres salles, même des cinémas indépendants, par la suite, justement, à la suite de cette diffusion dans les CGR. Parce que c'était déjà le cas, notamment à la sortie du film Dragon Ball Super Broly, qui avait été diffusé en avant-première, en exclu dans un premier temps dans les CGR, puis qui avait fait en fait l'objet d'une diffusion sur tout le territoire. Donc là, c'est fort possible qu'on se retrouve avec un schéma de distribution similaire. Donc en conclusion, restons patients et je vous tiens informé quoi qu'il arrive. Encore une fois, je vous mets tous les liens utiles par rapport à tout ça en description. N'hésitez pas de votre côté à demander aux salles près de chez vous qui sont affiliées justement au groupe CGR Event s'ils comptent proposer le film ou pas. S'il y a beaucoup de demandes et en plus avec la réouverture des salles, c'est fort possible qu'ils le diffusent. Donc la diffusion du film en France repose également sur vous. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau Flash Info. J'espère encore une fois que ça vous a plu. J'ai essayé de modifier un peu le format et vraiment d'aller droit au but cette fois, parce que j'ai vu pas mal de monde se plaindre que des fois j'étire un peu le sujet, mais bon, c'est volontaire de ma part. Autrement, les flash infos dureraient littéralement 30 secondes. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à tout ça, si vous êtes hypé, si vous n'attendez plus le film, par exemple, c'est aussi possible, vu le temps qui s'est passé entre temps. Et je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que j'essaierai au fur et à mesure des annonces, de vous partager l'actualité et les informations par rapport aux salles qui diffuseront le film un peu partout en France, donc vous retrouverez des liens en description et à l'écran. Enfin bref, encore une fois, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.